أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, c'est une personne qui fait Hijra de Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Donc, Abu Bakr Siddiq comparé avec tous les Sahaba, son Hijra n'est pas pareil. Parce qu'il fait Li fin accompagne Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il fin rentre dans Medina, qui appartient à nous pour qui n'est pas le premier Islamic State, c'est-à-dire lui et Abu Bakr Siddiq, ils fin rentre ensemble dans Medina. Ça veut dire, ça nous gagne trigger, c'est-à-dire ce qu'on appelle starting point. Appartient à nous pour qui parle devant, c'est-à-dire qui permet qui vous fait conquête de l'Arabie. Et ça même, qui pour faire zut pas devant quand l'islam va aller pour expandre, je vous êtes l'empire perse et l'empire romain. Et nous vous trouvons qui font marchons tout ben élite dans ben sahaba, radiallahu anhum jamia, les pour faire à Medina. Maintenant, ça veut dire événement hijra, semaine dernière, une finie expliquée, aujourd'hui nous allons apprendre qui ben leçon qui nous tirait là-dedans. Donc, première leçon qui nous tirait, c'est qui suite à Hijra, quand je finis faire Hijra, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit descendre ayat Quran. Allah ta'ala dit, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Allah ta'ala dit, si je ne pas pour être Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, il pour être, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour être lui. If akhrajahu alladhina kafaru. Allah ta'ala dit, ben kafir, je finis expulsé Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ben là, je finis expulsé depuis Makkah. Et Allah Ta'ala mentionne Thaniyathnain. Deuxième des deux. Deuxième des deux là, qu'est-ce que c'est? Premier, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième là, c'est que c'est Abu Bakr Siddiq. Ça veut dire, là, va dire qu'il y a une vertu spéciale. Ça, sahaba là. Parce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala, il finit descendre ayat Quran. Loli. Alors, il continue, Allah Ta'ala mentionne, id huma fi al-ghar. Quand je deux, je suis dans la cave. Et nous avons un consensus, ijma, de tout ben savant, qui, sa ayat Qur'ana, il peut référer aksana à Rasul, numéro un, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et deuxième, Abu Bakr Siddiq. Id yaqulu li sahibihi, la tahzan inna Allaha ma'ana. Quand, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, comment nous dire, il peut calmer Abu Bakr Siddiq. Ça veut dire que maintenant, je suis dans la cave, tu mentionnes que Ben Kafir, quand il vient, il vient, je suis dans la cave, qui a une fissure, qui a un trou. Quand maintenant, je te pégate partout. Mais seulement, Allah Ta'ala, je n'ai pas fini d'inspirer ce Ben Kafir là pour que 10 ans, bah, je te et Abu Bakr Siddiq, il peut gagner. Il peut dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a Rasulullah, si c'est maintenant, je te verser la tête, je te guette en bas là. Je trouve nous là. Je vais banan pas autour, mais c'est moi, en bas, je vais pas finir de et, ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, la tahzan inna allaha ma'ana, n'a pas chagrin, connaît qui certainement Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous, fa anzal allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit descend, sakina, ça veut dire tranquillité. Donc, je te l'écris, Allah subhanahu wa ta'ala, fin. Apaisez wa ayyadahu et Allah subhanahu wa ta'ala li fin ezzul bi junudin lam taraha avec un ben l'homme qui nous pas trouvé. Donc ça nous vous trouve ça veut dire la ligue en vertu et nous n'a plus ben ayat Quran qui fin descend le obaka si décor de l'orhan ça veut dire ça li fin parmi ben ayat Quran qui fin descend l'ori le ben fawaid qui nous n'a donc nous tout connaît qui Banna je finis expulsé. Ça veut dire, Abu Bakr Siddiq avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tous les deux. Et tous les deux, ça veut dire, qu'il soit Abu Bakr Siddiq et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ben là, il met un gros prime, le tous les autres la tête. Ça veut dire, là, nous gagnons un autre. Parfois, il faut nous comprendre une affaire. Et quand nous gagnons Ibrahim alayhi wa sallam, quand nous gagnons sur la vie, en termes matériels, nous trouvons qu'il n'est pas un prophète qui tient une belle case. Nous trouvons qu'il est fini faire. Quand on dit qu'il est fini, quand on dit poussé, il est maltraité pas du tout. Nous gagnons Isa alayhi salam, c'est pareil. Quand nous voulons dire ta vie, Ibrahim alayhi salam, il a fini pousser.
Depuis Babylone, quand il était, les rois perses, Namrouz, ont fait une brûlée de Jiffé. Nous trouvons qu'il a fini l'Arabie, il construit la Kaaba. Nous trouvons qu'il y a l'Égypte. Là-bas, il y a, ça veut dire, dans la pièce, il y a un problème avec Sana, avec Namrud. Les bousés, les halles dans l'Égypte. Dans l'Égypte, il y a un problème avec Pharaon. Ça veut dire, il quitte la pièce, il y en a là. Il réfère Hijra. Il y a l'Égypte, il réfère Hijra. Ça veut dire, nous trouvons ça beaucoup. Nous trouvons ça dans la vie, Risa alayhi salam. Maintenant, façon qui nous guette quelque chose, quand nous guette réalité le monde, si on dit, vous guette ça dans perspective matérialiste, nous trouvons un miskin. Mais seulement, nous guettons l'autre côté, Aster. Quand nous guettons ça en termes de spiritualité, en termes d'in, en termes d'iman, ces 20 prophètes-là, ces 20 trophées, ces 20 médailles, qui je finis gagner contre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je finis faire, je finis faire hijra, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, je finis quitter ça, les mondes-là, ça dunya-là, net, sa persécution qui je peux gagner là, juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et ça, c'est réalisation directe de Kalima, la ilaha illallah. Maintenant, au Bakar Siddiq, pareil. Ça veut dire, quand il peut faire tout ça, même sacrifice, là, qu'il peut faire? Il peut être ça pour qu'il dîne Allah subhanahu wa ta'ala, les halles de l'avant. Et maintenant, mettons nous au Bakar Siddiq, comparé avec tout, ben, les autres sahaba, c'est qui, Abu Bakr Siddiq, lui, il n'y a aucun sahaba qui maintenant, je vais finir mettre une prime sans sa mort, les autres la tête, qui c'est lui qui gagne, soit vivant, soit mort, même amène les autres la tête pour gagner récompense ça. C'est-à-dire, c'est le sahaba qui maintenant, je vais finir mettre sa price là, le sur la tête. C'est-à-dire, là, qui est arrivé là, sur Hijra qui lui finit faire. Donc, beaucoup ben, sahaba finit faire Hijra. Remarque, avant de faire Hijra, j'ai comme, hein, tu viens devant, maintenant, devant Kaaba, direct, les jabana comme ça, on peut sortir, on peut faire Hijra. C'est qui ont envie, qui sont madame une veuve, qui ont envie, qui sont des enfants, qui ont fait qui disent, de l'autre côté, va aller là-bas. De toute façon, nous la guerre. Personne n'a pas fini de venir. Donc, ça, c'est une fin de faire un cas de qui n'a courage. Mais c'est moi, concernant Abu Bakr Siddiq de Laurent, c'est les tout seuls sahaba qui, maintenant, je fais mettre une prime sans s'amour sur la tête, et sans s'amour la tête de Rasoul Sallam, qu'il soit à mes autres vivants, qu'il soit à mes autres morts. Ça veut dire, quand maintenant, je vais faire hijra, ça veut dire, maintenant, je n'ai pas fini de rôle. Abu Bakr Siddiq et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment je fais une route, ben les autres sahabas. Ben les autres sahabas, si tu fais route, ben non. C'est-à-dire, ben tu peux faire ben les tours, asseoir, etc. Tu peux guetter, ton son, on va dire, ben sauver. Mais concernant ça, ben je fais même ce qu'on appelle ben checkpoint. C'est-à-dire, il y a même chemin que je traversais, la même place que je traversais, je fais ben barrière, ben barrage, pour si encore, on va dire, je peux traverser, capable, bloc je capable, attrape je. Donc, l'autre favorite qui nous tient encore là-dedans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala finit appeler les Sahaba dans le Coran. Quand Allah Ta'ala dit comme ça, Allah Ta'ala finit mentionner Abu Bakr Siddiq comme Sahaba dans le Coran, Allah Ta'ala mentionne dans sa ayat Coran, fait mentionner, il y a pour les sahibihi. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit dire à ce Sahaba, ce sahib, ça veut dire Allah Ta'ala finit honorer, ça veut dire Allah Ta'ala finit appeler Abu Bakr Siddiq. Ça veut dire comme Sahaba de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est que depuis que sa ayat Qur'an a fini de descendre, Mazin parle jusqu'à Kayamat. Combien de monde peut lire sa ayat Qur'an? Ça veut dire même ça coûte quand du monde peut lire Qur'an, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour gagner sa wabla, on va gagner sa pour gagner sa wabla, et nous obligés de lire Qur'an. Dans la masse, dans la tarawih, comme ça même, etc. Et maintenant, quand on peut lire ça, ayat Qur'an, ça l'est, dit sawab. Quand on peut lire ça, ayat Qur'an, quand on peut mentionner Abu Bakr Siddiq, quand on peut mentionner Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça l'est, dit sawab. C'est-à-dire, maintenant, ou maintenant, peut gagner ça, c'est-à-dire, là, pendant 1400 années, 20 à ce là qui ça finalise, c'est-à-dire, ça, il peut rester lié même. Et maintenant, on peut dire, à ce là on peut aller jusqu'à Riyama, qui conseille du monde encore pour lire. Donc, l'autre favorite encore, qui nous tirait là-dedans, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tient un extra, comment nous dire, comparé avec tout ben Sahaba, il tient un care spécial pour Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est comme ça, n'a pas tracassé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut apaiser Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Ça veut dire que tu dans un. On dit une situation que Dieu t'a désespéré parce qu'il fait pas tout du monde peut redire. Et dans sa situation, la peine là,
Imaginez la même banane de retenue, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et la même qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait descendre, wahi. L'autre petite chose encore qui est là-dedans, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait bénisote. Allah ta'ala mentionne une question d'Araqida, ce qu'il m'appelle Mariatullah. Mariatullah qui veut dire. Donc, première affaire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'y séparer avec sa création. Allah subhanahu wa ta'ala l'y séparer, l'y pas mélanger avec sa création. Allah ta'ala l'y séparer avec Jannat, l'y séparer avec l'enfer, l'y séparer avec les ciels, l'y séparer avec ce arsh, avec ce trône, avec ce coursi, etc. Mais seulement, l'autre côté à se dire. Allah subhanahu wa ta'ala, tout la création li devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala li prêt avec sa création. Tout création de Tchadjan, nous veut dire c'est la terre, c'est le ciel, nous que nous pouvons vivre, ce trône, Jannat, l'enfer, et tout ça, ben, créature qui Allah subhanahu wa ta'ala fin créé là, on veut dire il n'est pas été égal à un grandissable devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'existe comme ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous, maintenant quand nous dit Allah ta'ala li avec sa création, ben, ça va dans une classe en des catégories. On appelle ça Mariatullah. N, c'est qu'il est général, c'est-à-dire toute la création. Li devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mentionne dans le Coran. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Est-ce qu'il ne va trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala li connaît tout ce qu'il y a entre la terre avec l'échelle. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Voilà, comme ça, il a eu à sa dissous. N'a pas ben, du monde qui je te peux, on le dit parfois, je te joue en cachette, je te peux causer, etc. N'a pas trois du monde qui nous joue, excepté Allah Ta'ala, le quatrième. Ça veut dire, Allah Ta'ala pose aux connaissances qui avec eux. Allah Ta'ala, il s'amuse, il basse, il y a libre. C'est-à-dire, Allah Ta'ala, il tient tout. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il trouve tout. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il compte tout. Ça veut dire, n'a pas qui trois du monde qui peut causer, excepté qu'il y a Allah Ta'ala, quatrième. C'est-à-dire, Allah Ta'ala, il y a avec eux. Ça qu'il peut dire là. Mais c'est pas quand nous voulons dire avec Dieu là, il pas comment dire nous un à côté l'autre. Mais quand nous voulons nous une distance avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous voulons peut-être paraître loin. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt avec nous. Donc ça un. Allah ta'ala mentionne voilà comme ça tim illa huwa sadisuhum n'a pas cinq dimun qui peut causer, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sixième voilà adina min dalika voilà akthara illa huwa ma'hum aina ma kanu n'a pas plus moins que ça ni plus que ça. Excepté à la tramation, illa huwa ma'ahum ma'a. Allah subhanahu wa ta'ala avec zut. Aynama kanu. N'importe quoi de ça, quoi de zut était. Surah 58, ayat 7. Et thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, li pouja zut, qui zut in fiya, qui zut in diya, qui zut in cause, qui zut in plan. Jour qiyamah, inna allaha bi kulli shay'in alim. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, l'icône, tout quelque chose. Donc, Allah Ta'ala fin servi Maria, ça veut dire Allah Ta'ala fin servi li, général. Li pas fin atasli, ça veut dire quand Allah Ta'ala li pour servi, li avec zut. Mais ça, li pas fin atasli avec un djimoun spécifique. Ça veut dire ayat kounana li vin, général. Li pas atasli ni avec un djimoun spécifique, ni avec un groupe spécifique. Comment Allah Ta'ala fin mentionné dans sa Quran. Maintenant, nous guettons l'autre ayat Quran. Quand Allah Ta'ala lui fait cause avec Moussa alayhi salam, quand Moussa alayhi salam, l'étant Allah Ta'ala, il dit comme ça, allez, idhab ila fir'auna innahu tagha, faqulu lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Quand Allah Subhanahu wa ta'ala dit Moussa alayhi salam comme ça, allez, allez Pharaon. Et j'ai une bonne parole, capable pour m'assiner, ou bien il est capable de pire. Et Moussa alayhi salam dit pas gagner pire, il dit comme ça, oh Allah, mon père, attention qu'il transgresse ses oeuvres. Pharaon, on lui dit, point oui, point non, il est capable de tuer un djimoun, parce qu'il dit, ouais, il a l'autorité. D'ailleurs, il peut faire tuer tous mes enfants, et ce même soldat, il peut écouter lui. De là, Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ça, la ta'khafa, n'a pas peur. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Là, Allah ta'ala dit une cause spécifique. Allah ta'ala dit comme ça, certainement, moi, avec Zod, il peut cause pour ma'akuma, avec Zod D. Zod D, là, qu'est-ce qu'on a ça? Là, Allah ta'ala dit spécifié là. Les films mentionnent qui s'en a, c'est Moussa alayhi salam avec Haroun alayhi salam. Asma wa ara. Me tendez et me trouvez. Ça veut dire là, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut dire là,
Comment dire Allah subhanahu wa ta'ala veut finir, il comprend qu'il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour, full support. Maintenant, c'est Maria qu'Allah subhanahu wa ta'ala définit sa vie là, c'est même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Maria là, définit sa vie ici pareil. Quand dans sa ayat Quran qui finit descendre aux autres là, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il comprend, la tahzan, inna Allah ma'ana, n'a pas peur, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit avec nous. Ça veut dire nous dire, un des caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala lié à numéro un, c'est qu'il est avec sa création. Et quand nous disons qu'il est avec sa création, c'est lui propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas capables de qualifier, qui va dire, quand nous venons d'un qui est pareil comme ça, nous disons Allah subhanahu wa ta'ala lié avec sa création comme ça. Donc, il est réellement avec sa création. Mais seulement nous disons qu'il n'est pas pareil comme une créature qui joue une créature. Et, ben, ça m'a fait dire une affaire, je commence là, je dis comme ça. C'est qui peina mélange. Allah n'est pas mélangé avec sa création, il n'est pas mingle, il est séparé complètement. Et juste pour nous capables de comprendre, hein, faire comment dire, nous dire, en les rois. En les rois, il finit avec en l'homme pour la guerre. Quand il peut dire l'homme là comme ça, allez, mon pas avec Dieu. Quand il peut dire l'homme là comme ça, allez à la guerre, mon pas avec Dieu. Qui veut dire mon pas avec Dieu? Ça veut dire qu'il boulonne l'homme là, tout support qu'il y a, tout ben assistance. Qu'il soit côté finance, côté militaire, tout ce qui est pour besoin, pour la guerre. Donc, ça même, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire. Maintenant, nous dire, Allah ta'ala, il n'est pas avec nous physiquement, c'est-à-dire, il parle là comme ça avec nous. Et Allah ta'ala, il mentionne sa place ça beaucoup. Par exemple, Allah ta'ala mentionne dans le Coran, Inna Allah ma'a sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec Benjamin qui a patience. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne encore, Inna Allah ma'a al-muttaqin. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, li avec man qui n'a ta quoi et non y tape non y li pas échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là nous finissons avec ben leçon qui nous est maintenant nous bouquet Rasul sallallahu alayhi wa sallam ni ben leçon qui nous tient encore concernant Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le numéro un c'est qui nous trouve qui Rasul sallallahu donc ben musulman parfois je te perds ben répère dans din Rasul sallallahu alayhi wa sallam avant de finir Hijra. C'est nous trouvons qu'il finit faire un long planning. Il finit plan de son travail. Comment dire, il n'est pas fini sorti. Comment dire, quand il dit se jeter dans la gueule du loup, non. Il n'est pas fini faire ça. Premier. Deuxième, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire tout ce qui est possible pour y atteindre son objectif. Ça veut dire, il finit développer une stratégie. Que je toujours suis pensé, il peut sortir ma carte. Je pensais qu'il était allé dans Madina. Au fait, il va dans Madina, il me dit. Mais c'est pas ce qu'il finit faire. On a déjà une déjouée avec Dieu, les fils de service stratégie, c'est l'une des en bas. Maintenant, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après trois jours, il est sorti depuis dans la caverne, il peut aller, ben là, on peut penser, les autres, ils finissent faire la moitié cimée, ça veut dire pour elle, Madina, là, ils viennent finir faire parcourir au moins un 200 km, et au fait, ce qu'il peut faire, c'est à ce qu'il peut sortir. Et ben là, ce qu'ils peuvent faire, je peux élever, comme on dit, ben là, tu mets un checkpoint, tu mets un barrage, il y a une place qui, ben là, je traverse, ça veut dire, je vais mettre sur une place, ça veut dire, ben, dis-moi, veillez, God. Ça veut dire, après ça, trois jours là, ben là, que je t'ai fait, je t'ai tiré sur une barrage là. Et au fait, à ce qu'il reçoit, il peut déclencher, il peut sortir. Ça veut dire, lui, il finit, prend tout son, il fait une plan. Deuxième, il finit, prend tout son précaution qu'il a. Comment on dit, une fin, une stratège. Troisième, c'est qu'il finit, là, à ce moment-là, quand il finit, faire tout ça là, les films mettent sur tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme après les films demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme une fois un sahaba, les films viennent, les films prennent sur sa main, ils peuvent comme ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, tu te peux quitter sa main comme ça. Ya Rasoul, mais on met tawakkul Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, aqilha, thumma tawakkal ala Allah. Atas li, après tu mets tawakkul Allah. Ça veut dire, tawakkul, comment il fonctionne? C'est qui, un dimoun, il vient finir faire tous ses efforts, ce qui est dans lui. Dans insana. Après ça, après il met tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ce qu'on appelle zefo la bien faire. Nous get Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam étant le finari côté la mer. Le temps déjà le talibé demande en droit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala pas n'est-ce comme ça oh Moussa ta me pouvait la mer là. Non, Allah ta'ala qui n'est-ce. Allah ta'ala qui m'a tapé au bâton. Ben savant, un affaire extraordinaire qui je dis. Je dis Moussa salam, c'est le zefo qu'il est capable de faire c'est tapé au bâton. Il va pas faire plus que ça là. Mais c'est moi, ça même, ça gagne des efforts qui est capable de faire là, à la fin de lui faire ça. À la fin de lui donner l'eau impératif. Fadri Biraso Kalba. Pointe au bâton, tape de l'eau. À partir de là, la mer est ouverte. Donc, ça veut dire, un dimoun, il peut bien faire
tout ce ben effort qui est capable de faire. Maintenant, nous trouvons qui est en train de faire sur le lot, c'est-à-dire qu'il prend toutes les questions qui sont là. Donc, première affaire, c'est quand les films viennent à Abakar Siddiq de la Rouen. Ça veut dire, tous les temps, les chabtiens viennent soit grand matin, soit tantôt. Ça veut dire, maintenant, je peux lire, je peux vivre Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, je peux connaître, et il y a un sahaba qui vient finir comment se faire hijra. Et tout le monde qui vient, qui va dire, maintenant, il arrête pour une figure dans Makka, il y a un sahaba, radiallahu anhu, je te connais, c'est un adepte de Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ça veut dire, maintenant, je suis fini, Quraysh, c'est fini avant-gardiste. Je peux vivre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Je te connais, toi ou toi, il peut aller d'ici avec Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Donc, qui est venu faire lui? Ça joue là, il est venu dans Odd Hours. Odd Hours, ça veut dire, dans la société arabe, après Zoha, tu dis, on fait Kailou là. Ça veut dire, je peux dormir. Premier. Rasoul a venu d'aller à côté de la personne, mot. Ça veut dire, même nous, on trouve, il y a une coparée tactique, ça veut dire, comment, la pose, ça m'a fait là. Tout ça, je te fermer en Zoha jusqu'à Assad, dans le même pays arabe là. Ça veut dire, comment on dit, Pena aucune activité économique, pena aucune activité sociale. Donc, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam saisit sa lia là, il est pour faire pour lui sortir, premier. Deuxième, à ce temps, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam peut sortir, il ne va pas sortir comme ça, il ne va pas venir pousser l'estomac devant, non. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il fait une cachette, il fait une couverture sur la tête, il fait une couverture sur la figure. Ça veut dire, il fait une cachette, ce qu'on appelle identity. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il fait une cachette lui-même, il ne va pas montrer qu'il va dire, hey, là, moi, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, on peut aller, on peut sortir, non. Il fait une cachette, deuxième. Troisième, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est fin de faire, il est fin fini collecter toutes ben informations à propos, ça veut dire, en l'environnement, même quand il est dans la cave, Hira. Qu'il est fin de faire, il est fin plan, et nous, on a, comment, Abakar Siddiq radhiyallahu anhu, ce garçon qui tous les jours, donne Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ben information qu'il y a. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une rencontre à Abu Bakr Siddiq, il n'y a pas de Abu Bakr Siddiq, un affaire extraordinaire encore. Il veut faire hijra là. Il n'y a pas de Abu Bakr Siddiq aucun détail. Il dit à Abu Bakr Siddiq, Allah Ta'ala fait de moi l'autre pour faire hijra. Premier affaire, il dit, tiens, je suis tout dans la case qui est à côté de toi. Ça veut dire, pour personne, pas tant d'informations, prendre précaution encore là. L'autre chose qu'il dit, comme ça, il n'y a pas dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nous peut faire hijra, oui. Mais il n'y a pas dire que nous peut aller, c'est pas, nous peut aller directement à Dina, nous peut faire l'est, nous peut faire l'ouest, ou ça nous peut descendre dans le sud. Il n'y a pas dire rien. Il n'y a pas en vacances, il finit sorti. C'est au coup, le désir, qui finit informe en vacances, il finit sorti, qu'il peut aller. Pareil comme ça, même, nous trouvons que sa précaution là, nous trouvons ça bout en bout de la vie, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui chaque fois que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sorti, si il part dans le sud, il peut sortir dans les nœuds. Je tout peux penser qu'il y a la direction des nœuds, qu'il arrive dans le désert, au milieu du désert. Il peut tourner, il peut suivre, il peut descendre là. Ou soit, quand il peut descendre, quand il peut descendre dans les nœuds, il descend dans le sud. Après ça, il peut contourner Madina de loin. Ça veut dire que personne n'a pas compte qui chemin qu'il peut faire, quand il peut aller. Même ça, même je ne suis pas connu comme ça, moi, je n'ai pas pris un leakage of information. Personne n'a pas pour gagner, quitter l'information. Ben, espérons pour finir, il va dire qu'on est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous trouvons qu'il y a un savant, un grand révolutionnaire, qui est dans le monde, un moujadid à l'islam. Par exemple, nous avons un, ce qu'on appelle Mohammed al-Fatih. Il dit une jolie parole. Je suis toujours poursuivi sa stratégie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit comme ça, si un poil CV, le mot l'amé, il connaît qui m'a faire demain, moi pour rassurer, moi pour brûler. Ça veut dire qu'il est arrivé, concernant la stratégie, c'est stratégie, c'est au God secret tous les temps. C'est pas de voile qui ben stratégie de Ena. Maintenant, nous vous trouvons concernant qui s'en a qui je finis sorti pendant la nuit, c'est-à-dire pour Bana Pagan, je encore. Après ça, Sadimoun qui se finit prendre, c'est-à-dire Abdullah ibn Aura écrit, qui se finit faire normalement quand vous êtes un djinn, vous faites un travail. Il y a des conditions. Il y a Ayat Kouan Ola. Inna khayra man ista'jartahu al-qawiyul amin. C'est comme Moussa alayhi salam, qui est dans Médiane, ça veut dire qu'il y a des jeunes filles qui vont dire qu'elles sont pour faire des ben, moutons, pour boire des troupeaux de moutons pour boire des lions. Quand vous êtes final à la case, vous pouvez raconter votre papa, Shouaib alayhi salam, vous pouvez raconter lui qui finit arrivé. Quand vous pouvez raconter votre papa qui finit arrivé, là, elle là-dedans, lui dit à son papa, oh mon papa, qui fait pas emploi Moussa alayhi salam. Sa parole qu'il dit là, Allah t'a fait en rester dans le Coran. Sa parole qu'il dit là, Allah t'a fait
fina Allah sekali dah kurang kini jadi inna khaira man istajartahu al-qawiyul amin. Meilleur pour les gens qui veulent quitter pour pouvoir employer, les films mentionnent ça dire des caractéristiques, c'est-à-dire des quelque chose qui nous guette dans un jimun pour qui nous employer. Donc premier qui était c'est al-qawi. Qawi veut dire il faut. Quand il veut dire faut, ça veut dire faut dans le domaine. Qui veut dire ça? Nous en termes, ce qui nous dit aujourd'hui, un professionnel dans le domaine. Il faut dans sa domaine là. Il y a un professionnel là-dedans. C'est-à-dire, premier, deuxième, amin. Amin veut dire c'est un djimoun qui est na amanat. Ça veut dire c'est un djimoun qui est capable. Il y a une certaine honnêteté dans lui, il y a un sens de responsabilité, il y a un bon moral et comment on dit, tu es capable qu'il donne une information confidentielle avec lui. Donc tout ça là, il veut dire amanat là. De même, d'une façon, on dit, si tu n'as pas parti ici, tu es capable de quitter le business là avec lui, tu connais, il va dire djimoun n'a pas pour qu'un toi. Donc si un djimoun, il y a un amanat, ni bien professionnalisé dans lui, tu vas prendre parce qu'il fait du travail, il va pas aller là-bas. L'autre côté, si un djimoun est capable, il y a un extra grand professionnel dans le domaine, mais seulement il peut amener, tu ne peux pas aller qu'aucun djimoun, ça c'est pareil, tu vas prendre parce qu'il fait, c'est disant ça déconditionnant. Et là, nous avons un autre qui nous mettait, c'est que l'islam parfois mettait une condition pour te prendre musulman, pour te faire du travail. Ça va être dans un ayat courant là-même. Même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qu'il fait? Qui est-ce qu'il était? C'est ça, djimoun qui peut venir, qui peut prendre guide là. Imaginez là. D'une façon, je t'y prends tout. Premier, je te mets ta wakoulou à Allah, oui. Mais seulement, ça, djimoun là, il y a une grande chose. Fais comme Dieu nous dit, Abdullah ibn Urayqit, le t'y finis qu'on avait courage. Il dit, maintenant, comme ça, après trois jours, à la fin de mois, quand rendez-vous là, qu'il y avait un thawd. Ça veut dire, le finis qu'il y a un décence en mot. Ça veut dire, une faute richesse. Mais il n'y a pas de mal, pourtant, il y a un mouchique. Et là, il y a une compagnie d'affaires, c'est-à-dire. Ça veut dire, ce qui nous appelle concernant Ben Café, ce qui nous appelle Ben Mouchik, nous ne sommes pas capables de tout nous mettre dans un seul panier. Nous avons différentes catégories du monde. Quand l'islam même, Sharia même, fait une catégorie, ils ont différentes catégories. Ça veut dire, nous avons une bande qui est hostile contre nous, contre les musulmans, ça veut dire pour la guerre contre toi. Ça, tu gagnes une catégorie du monde. Tu as une autre catégorie du monde qui, lui, croit dans une qualité de la justice, qui n'est pas nécessairement la justice à 100%, la justice qui est avec l'islam. Ça veut dire, lui, tous les temps, Côté dans l'injustice, il n'y a pas pour ça avec l'injustice. Normalement, on a fini un tremblement de terre dans Turquie, dans la série. Nous voyons par exemple Charlie Hebdo. On a fini de mettre une caricature satirique contre les musulmans. Je veux dire, comme ça, soit disant, il n'y a pas fini de faire terroriste dans rien avec eux, ça veut dire avec catastrophe, on a fait réjouir avec ça. Mais ce qui est drôle là-dedans, nous vous trouvons dans Ben. Ben, qui pas musulman, ben, français, qui pas musulman, même, fin levé, fin conduit, je pas, on va dire, comment on dit, affilié avec nous, non, mais c'est moi, je viens à ce, ça, sens, notion de la justice dans ce là. Donc, ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avec Abou Bakr Siddiq, radiallahu anhu, ça veut dire, je fin faire des confiances, ça veut dire, je fin donner rendez-vous après trois jours, les fin gâte ça à manat là, après trois jours, les fin vin juin jeune, exactement, là-bas, et comment nous fin dire, sans qui les fin vin jeune. Maintenant, concernant Abou Bakr Siddiq, dans sa hijra là, ce qui concerne la vie de sa sahaba là, c'est qui ce ben famille net, intégrale, je fin jouer un rôle, qu'on nous dit, déterminant, pour qui, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, sa hijra là, les vin possible, les réaliser, les success. Donc, premier, nous pouvons, Abou Bakr Siddiq de la Oran, ce garçon, ça veut dire, on a fini de coopérer, je fais une extra solidarité avec lui. Donc, premier qu'il vient faire, après coucher de soleil, il fait sortir, il fait jouer une banane dans la cave. Avant, ça veut dire, soleil levé, ça veut dire, comment dire, il finit pas s'en être avec banane pendant un, trois jours là, avant là. Soleil levé, il finit rentrer. Ça veut dire, banane, je pas gagner compte. À soir, ça veut dire, la nuit, il peut cacher, il peut sauver, il peut aller. Ça veut dire, il finit faire un travail là, extra bien. Donc, ça, un. Deuxième, nous voudrons qui, pendant les jours, il parle de Benbazan, soit disant, il perd quelque chose par ici, par là, il fait comment dire, il va pas comprendre rien. Mais c'est moi, au fait qu'il est arrivé, c'est espion pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand il fait ce qu'il nous appelle, gather intelligence, gather information. Espion, espionnage. Il peut espionner, et quand on te libère, il y a un pendant ces trois jours-là, ça veut dire, il peut dire, bah, comme ça, hein, qui va peut faire, qui va information qui est là, qui va dans le film, décider. Donc ça, nous gagnons un Abou Bakr Siddiq sur le garçon. Deuxième, ce suffit, Aïcha avec Asma, radiallahu anha. Donc, banazot,
Comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit dire comme ça de suite. Ça veut dire nous sortir, nous pour sortir là, préparer, nous aller. Maintenant que je finis de faire, à ce que je vais gagner l'information là, qui je ne peux pas aller faire Hijra, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui je peux aller. Qui je finis de faire, numéro un, c'est qui je finis de maintenant, dire, pour vous donner un petit peu de préparation, provision en termes de manger, boire, l'aise, etc. Ben, petit petit affaire. Donc, maintenant, de suite, que je finis de faire, c'est, je finis de maintenant, coup de main. À ce moment-là, à soi, parfois, tu peux venir avec son frère, Abdullah, pour venir guetter Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec son papa dans la cave. Maintenant, pendant que tu n'y fais, imaginez, Abu Jahal, lendemain, étant comme un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fini à l'aide, imaginez, il finit de battre une calotte dans ses oreilles, qui a été calotte, ça, qui finit de rasse aux anneaux, disant qu'il soit outil. Mais seulement, certifié là, l'intinifié pour son papa, pour Allah, pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il accepte qu'il y ait un bâté pour dire, il n'est pas fini de battre. Quand Abu Jahal finit de battre, il dit, que ton papa, il allait, soit disant, tu ne pas connaître. Pas si ça, c'est-à-dire. Nous voudrons qui, ça veut dire, Abu Bakr Siddiq, son papa, si il est en colère, il finit de venir après. Il dit, Asma, comprends, le sujet, il est avec. Il dit, Asma, comprends, mais ton papa, il quitte d'autres comme ça, il n'est pas dans d'autres, non, rien. Nous voulons véritable tawakul depuis Abu Bakr Siddiq, là, dans leur hand. Et Asma, qu'il finit de faire. Même ce papa, il quitte lui comme ça même. Il n'est pas laissé ce papa se le nier tomber. Qu'il finit de faire, il dit, il prend quelques bains roses, il finit de mettre, il dit, ah non, il quitte quelque chose pour nous. Ça veut dire, il est avec lui, il est dans les pétrapés, comme ça, il peut penser, il va dire, ben, pierre précieuse, ou soit l'eau qui est là, il va dire, dans un sac là, parce qu'il existe trappe sac là, il n'est pas connu. Il dit, ah, oh, c'est un quitte comme ça. Alors, correct. Ça veut dire, nous trouvons que maintenant, je finis solidaire avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et, je n'ai pas fini de quitter Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ni je ne peux pas à terre. En tout cas, si je regarde, il finit de quitter l'Iman pour Banna. Maintenant, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit dans Medina, pas devant Rasoul, est-ce qu'en tout cas, il finit d'abandonner Banna? Malgré qu'il connaît qui, en, sa journée, qui je peux entreprendre là, c'est une journée qui est bien dangereuse. Déjà, il connaît qui, quand il peut aller à Medina, par contre, comment il peut être. Il connaît qu'il est besoin de casse pour dépenser le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et le lycée pareil. Donc, ça, à cause de ça, qu'il finit prendre tout. En même temps, il finit place son iman, son confiance, son tawakul, Allah subhanahu wa ta'ala qui sauve les enfants, pas pour comme ça même. Maintenant, même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est l'avocat Siddiq radhiyallahu anhu qui finit quitte sa famille. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit quitte sauve les enfants. Dans ma cas, il finit aller, ça va être tout l'idée pareil là. Quand je finis fini aller à Astia, je pars finir avoir une autre famille dans ma cas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire, après un état fini de traverser, attends, mais qu'est-ce que vous avez dit, il calme. Un jour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit envoyer Zayd ibn Haritha, ça veut dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce garçon adoptif, et c'est un autre sahaba qui s'appelle Abu Rafi'a. Ça, c'est qu'on a déjà une mission, on va dire, bien périlleuse, à soi pour rendre dans ma cas. Pour prendre qui ça, non? Ça, il finit de donner 500 dirhams. Ça veut dire, je dis, vous êtes servi au cours de votre voyage. Ça veut dire, sans qu'il vous prend, on va dire, pour amener depuis Medina, encore pour faire Hijra, pour faire le sauver, il y a Fatima, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce le Tifi, Umme Kulthoum, ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce Tifi, Tina, Raisha, radiallahu anha, ça veut dire, Tifi, Abu Bakr Siddiq, Tina, Asma, le Tifi de Abu Bakr Siddiq, et aussi, Tina, une madame qui s'appelle Sauda, et Tina, Zayd, ce maman qui s'appelle Umme Ayman, ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait, ben, l'Irak, qu'a patrié, pour amener dans Medina. C'est-à-dire, pour l'heure là, mission anti-successful. Maintenant, pas fini, nous gagnons l'autre famille. Nous connaissons qui est Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, quand nous faisons ce sirah avant, nous disons comme ça, qui, tous les temps, nous faisons assez bien esclaves, après, nous faisons, nous faisons libérer les autres. Zisqueté, à cause maintenant, les autres musulmans. Et nous disons qui, pour Abu Bakr Siddiq, quand nous faisons ce bien esclave là, c'est qui, ce bien esclave là qui était là. Pour lui, je t'en ai plus valier qui tout s'amène kafir là, un esclave qui peut libérer là. Parce qu'il fait, je t'en ai iman. Et au fait, dans l'île, ni comme ça. Nous vous trouvons qui, façon, nous trouvons des affaires dans beaucoup de la case musulmane, soit même dans les autres de la case. C'est qui, si moi j'ai un servant, ce statut dans mon la case, comment dire, un dimoun deuxième grade, un dimoun inférieur. Mais, l'état nous bouguette, la loi esclave dans l'islam, si aujourd'hui, moi, je mets sa linge là, il met un linge pareil comme moi. Aujourd'hui, si moi, je mange bouillani, il mange bouillani pareil comme moi. Si moi, je mange, demain, moi, je mange rôti, il mange rôti pareil comme moi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la loi esclave. Donc, on va essayer de regarder la façon qui, les types traite ce servant. Là, il finit libéré. C'est esclave, il finit libéré. Il fait un servant avec lui, il laisse pas le pays. Il y a une fidélité extraordinaire. À tel point qui, quand on va essayer
l'épée, faire hijab, je finis d'accord pour sacrifier toute la vie pour défendre Abu Bakr Siddiq. Ça veut dire, faudrait qu'il s'adjoue là, lui tienne un estime pour Abu Bakr Siddiq. Ça veut dire, ça c'est formation d'islam, ça. Façon que l'islam finit montre nous pour get, ça veut dire, ben, du monde qui est inférieur à nous, ben, du monde qui plus bas que nous. Et Abu Bakr Siddiq, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il, façon qu'il peut agir avec Bana, jamais même les films, comment le dire, il peut agir un mois, mon propriétaire, toi, tu sais, avant. Jamais. Même, nous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu sais, mon esclave, il se fait libérer. Et Bana, tout le temps, je tiens une adhérence extraordinaire avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Zayd ibn Haritha, c'est esclave Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, libéré, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, imaginez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu considères comme ce garçon adoptif. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, encore, nous vous continuons, nous vous rendons dans la guerre. Nous vous rendons la guerre, mais comment Abu Bakr Siddiq, les fins des fans, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa an, nastaghfiruka wa natubu ilayk, jazakumullahu khayr.